Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mes chéris. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo dédiée à des lentilles de contact. Comme vous le savez, moi je porte des lentilles de contact tous les jours, sauf la nuit et mes jours de congé, parfois, si j'ai rien à faire. Donc c'est mon dada, c'est mon truc, c'est ma vie de tous les jours. C'est une chose qui m'accompagne du matin au soir. Donc quand il y a une marque de lentilles qui m'a contactée pour me proposer de tester des nouvelles lentilles de contact, je peux vous dire que j'étais trop contente. Franchement, je suis trop contente qu'une marque m'a contactée pour tester des lentilles que je ne connais même pas. En plus, c'est la première fois que j'entends parler de cette marque. Et en plus, c'est une marque française. Et c'est la seule marque française qui fait des lentilles de couleur, quoi. Voilà, donc ça c'est génial. Je ne le savais pas. En plus, quand j'ai lu les fascicules, j'ai découvert ça. Donc, c'est la marque Obsession Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette marque, mais moi, je ne connaissais pas du tout. C'est une marque qui livre dans le monde entier, je pense. Elle est créée pour changer la couleur des yeux des femmes ou des hommes. Donc, c'est voilà, c'est pour tout le monde, quoi. Pour tout le monde. Donc, la marque Obsession Paris propose 42 lentilles de couleur avec des tons différents, avec ou sans correction. Donc, c'est génial. Personnellement, étant myope, je trouve qu'une marque de lentilles de couleur, elle doit faire des lentilles de correction. Voilà, moi, je porte des lentilles parce que je suis déjà myope, donc je ne vois pas de loin. Et parce que j'adore changer la couleur de mes yeux. Comme vous le savez, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. J'ai eu beaucoup de commentaires parce que j'ai déjà fait une vidéo action avec mes vrais yeux marrons. Vous étiez nombreuses à me dire que c'était beau et que c'était mieux mes yeux bruns. C'était trop chouette. Merci beaucoup pour vos commentaires trop gentils. Vous êtes adorables. Mais bon, j'aime bien mes yeux marrons, c'est pas ça. Mais j'adore aussi les yeux bleus, les yeux vert, donc voilà, j'aime bien changer de couleur des yeux, je trouve que ça me va mieux, personnellement je trouve que ça me va mieux, voilà, ça c'est une question de goût, j'ai envie de dire. Il existe trois gammes différentes de lentilles chez Obsession Paris. On a la gamme Séduction, on a la gamme Perfection et on a la gamme Sensuality. Donc c'est des lentilles naturelles ou alors avec un contour. Donc ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a un large choix de couleurs, de teintes, de tons. Et alors elles sont valables donc 3 mois après ouverture. Mais j'ai envie de dire quelque chose là-dessus. Moi, les lentilles que je porte, c'est des lentilles aussi trimestrielles, donc pour 3 mois. Mais elles sont là depuis presque 6 mois que je porte mes lentilles. Donc, si vous entretenez très bien, si vous faites très attention à vos lentilles, l'entretien, se laver tout le temps les mains, avant, après, pendant, mettre du produit sur les mains et tout, eh ben, franchement, vous pouvez aller avec jusqu'à presque 6 mois. Aucun problème. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'achète ceux de 3 mois, eh ben, je les garde presque 6 mois. Aucun souci. Donc ces lentilles de contact, elles coûtent 29 euros la paire pour 3 mois. Donc je trouve que le prix est raisonnable. Donc même pour la... je ne sais pas, je n'ai pas vérifié si pour la correction c'est un peu plus cher, mais je ne pense pas. Je pense que c'est 29 euros, soit avec correction ou pas. Donc je ne sais pas exactement, si je vais regarder et je vous mettrai une petite annotation ici pour vous dire. Et alors la livraison est gratuite à partir de 50 euros. Du coup la marque m'a proposé de choisir 3 paires de lentilles. Oui, j'étais trop contente. J'ai reçu le paquet, donc un gros paquet pour 3 paires de lentilles. Oui, vous allez voir pourquoi. Donc c'était par DHL, ça s'est très bien passé la livraison. Aucun souci. Et quand on ouvre le paquet, il y a tout ça dedans. Voilà, c'était très joliment emballé. Franchement, il y a le catalogue avec donc la marque. Vous avez à l'intérieur, que je puisse ouvrir le truc, vous avez toutes les teintes des lentilles et tout, les couleurs, le nom des lentilles et tout ça. Donc c'est génial, vous avez tout ça à l'intérieur. Vous avez l'explication détaillée de chaque gamme de lentilles et les couleurs qui vont avec. Alors, ils m'ont mis des petits bonbons Haribo, c'est super gentil, je les ai toujours pas mangés parce que je voulais vous les montrer. Voilà, c'est des Dragibus, hein, donc voilà, merci beaucoup. Obsession Paris. Et vous avez tout ça à l'intérieur. Et les produits, donc voilà.
Ils étaient déposés à l'intérieur comme ça, joliment présentés. Franchement, c'était top. Donc, je vous montre maintenant le packaging qui est super beau. Franchement, j'ai adoré le packaging. Il y a un petit peu d'eau ici parce que j'ai enlevé les lentilles et je les ai mis dans les étuis. C'était juste pour vous montrer maintenant. Donc, le packaging, il est noir. Magnifique. J'ai fait des photos pour vous montrer la présentation dans le colis et tout. Vous allez voir les packagings de plus près. Donc, voilà, il est noir. Écrit en doré. Voilà, partout en doré. Franchement, il est super chic, super classe. J'adore. Donc, j'en ai reçu 3 comme ceci. Et en plus, j'ai reçu la lotion. Donc, pour conserver, pour nettoyer, pour tout, pour les lentilles, c'est une solution multifonction. Donc, vous pouvez les conserver dedans, vous pouvez les nettoyer avec, vous pouvez... Donc, voilà, elle fait tout, cette lotion. Et franchement, c'est rare qu'il marque « Envoie une lotion avec les lentilles ». Donc, c'est une contenance de 60 ml qui se présente comme ceci, voilà. Bouteille toute simple en plastique, le même packaging noir doré, super classe. Donc voilà, j'ai bien adoré. Et alors, en plus, à l'intérieur de la boîte, vous avez un étui. Donc un étui blanc très simple. Ici, vous avez donc voilà la notice du produit pour vous tout vous expliquer. Donc ça, c'est génial. Et ici, dans les packagings, donc je vais vous montrer un. Quand on l'ouvre, ici donc vous avez une étiquette dorée où c'est marqué donc la couleur de la lentille. Et vu que je suis myope, donc j'ai une correction de moins 3,5. J'ai demandé donc ma correction et là c'est marqué moins 3,5. Et quand on l'ouvre, voilà, franchement c'est super chic, super classe. Vous avez tout ça à l'intérieur. Franchement, vous avez un étui, donc là, il y a les lentilles dedans. L'étui est super mignon, noir et doré aussi, franchement. Vous avez donc les lentilles qui se trouvent donc, dans toutes les autres marques aussi. Ils font des packagings comme ça pour les lentilles. Donc, ils sont dans une solution de conservation, voilà. Et puis, vous les ouvrez comme ceci. Et voilà, et c'est aussi doré noir. Vous avez aussi une pince pour attraper la lentille. Franchement, c'est top. C'est la première fois que je reçois d'une marque de lentille une petite pince. Parce que franchement, moi, personnellement, je n'ai pas l'utilité de cette petite pince. Mais pour celles et ceux qui commencent à mettre des lentilles, pour celles et ceux qui veulent se lancer pour porter des lentilles, c'est pratique, je pense. Je n'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas vous dire, mais ça a l'air d'être hyper pratique. Donc, c'est une petite pince comme ceci, voilà. Pour attraper la lentille donc dans l'étui, pour pouvoir la mettre plus facilement dans l'œil. J'ai choisi, en fait, je pense, de différentes gammes de lentilles. Donc, je pense que j'ai commandé une avec contour et deux sans contour et 3 couleurs différentes comme ça. On voit les différences. Franchement, j'ai hâte, mais vraiment hâte, hâte de les tester avec vous. Je ne les ai pas touchées. J'ai juste mis les lentilles dans les petits essuies. Les petits essuies, n'importe quoi. J'ai juste mis les lentilles dans les petits étuis ici. Et voilà, et j'attendais le jour pour les tester avec vous. Donc là, je vais aller les porter dans la salle de bain. Je vais vous montrer quand même comment je vais les porter devant vous. Et je vais vous dire, bien sûr, si c'est confortable, si c'est bien, si c'est... voilà, je vais vous dire ce que je ressens en fait, voilà. Parce que comme vous le savez, moi j'ai porté pas mal de marques de lentilles de contact. J'ai testé beaucoup de marques et je peux vous dire que j'ai quand même assez d'expérience pour vous dire si la lentille est bien ou pas. Donc je vais vous donner mon avis sincère et honnête à propos de ces lentilles. Et voilà, ça sera une nouvelle découverte pour moi et pour vous aussi. On va faire le test tout de suite dans la salle de bain. Et puis après, je reviendrai ici pour vous dire et pour vous montrer la couleur comme il faut en zoom et tout. Donc ça va être chouette tout de suite. Donc voilà mes chéris, là j'ai enlevé mes lentilles que j'avais en fait. Hein. Et bien sûr, très bien se laver les mains. Se laver les mains, c'est très important. Puis mettre du produit sur les mains. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Je vois plein de personnes qui prennent le truc des lentilles avec juste de l'eau du robinet. Mais moi je ne fais pas ça. Je mets en plus, après me laver les mains, du produit dans mes mains. Et puis, je prends donc les lentilles
Voilà. Et alors, les étuis sont marqués left-right, donc droite-gauche. Donc, si vous êtes myope ou autre, donc, et que vous avez un œil qui est plus fort que l'autre, par exemple moins 30 et l'autre moins 3,25 ou moins 3,75, eh ben, vous pouvez faire un petit repérage avec le right et left, donc droite 3,75 et gauche 3,25. Donc voilà, comme ça, vous ne mélangez pas les deux corrections. Donc c'est hyper pratique. Alors, vu que moi, c'est moins 3,50 les deux, c'est pareil. Donc j'ai pas ce souci-là. Je peux mettre gauche, droite, droite, gauche. Donc voici la lentille, comment elle se présente. Voilà. Celle-ci, c'est avec le contour, je pense. J'ai pris au pif. Hein. Celle-ci, c'est là. C'est la gamme Séduction, la couleur Cloud. Elle se présente comme ceci. Donc, elle doit rester bombée sur votre doigt pour que vous puissiez la mettre. Moi, je n'ai pas besoin, en fait, de pinces ni quoi que ce soit, vu que j'ai trop l'habitude de mettre des lentilles. Donc, quand on le met ici, on met du produit dessus. Voilà, je vous montre juste pour cette lentille et après ça va aller plus vite pour les deux autres. Donc, j'ouvre un petit peu mon œil et je la mets. Voilà. Waouh! C'est beau, c'est naturel. Waouh, c'est trop beau. On va voir ça à la lumière du ring light. Mais en tout cas, la correction est parfaite et je ne les sens pas déjà. Franchement, c'est un bon point déjà. Je ne les sens pas du tout dans mon œil. Hein. Voilà. C'est un truc de dingue. Là, je vois hyper bien. Donc, la correction, c'est parfait, moins 3,5. Et je ne les sens pas du tout. Vous voyez, mes yeux, ils sont ni rouges, ni rien du tout. Voilà. C'est nickel. Je vais y aller maintenant vous montrer dans la lumière artificielle. Là, comme ça, vous voyez bien la couleur. Et on retourne pour essayer les autres après. Me revoilà donc les filles pour vous montrer la couleur de tout près avec la lumière et tout. Franchement, je suis en amour de ces lentilles de contact. Ils sont hyper confortables. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus parce que c'est un point hyper important pour moi. J'ai déjà eu des lentilles de contact qui se barrent à gauche, à droite, donc voilà, où on les sent lourds, ça irrite et tout, mais là, franchement, même quand je les ai posées, le moment même, mes yeux ne sont pas devenus rouges, rien du tout. C'est top, nickel, c'est un très bon point. Alors, niveau couleur, j'adore. C'est hyper naturel. C'est un petit contour noir. En fait, en général, les contours dans les lentilles, ça agrandit l'œil. Quand vous voyez bien, j'ai l'œil. Voilà, je trouve que j'ai un œil plus grand. Quand vous voyez bien, la couleur est trop belle, trop trop belle. Donc c'est les clouds. Je vous mettrai tout ici maintenant, comme ça vous avez une petite idée de la couleur et tout. Je suis ravie. Je vais me rapprocher pour vous montrer la couleur. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Franchement, ils sont hyper naturels. J'adore, j'adore, j'adore le rendu. Comme vous voyez bien, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles. De toute façon, après les trois, dites-moi laquelle vous préférez et pourquoi. Donc voilà, comme ça, j'ai une petite idée de vos goûts et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, cette couleur, je l'adore. C'est un genre de vert, en fait, je pense. C'est un genre de vert gris comme ça, magnifique. Voilà, elles sont hyper naturelles, j'aime beaucoup. Hyper confortable. Regardez, je bouge mes yeux et ça bouge pas. Gauche, droite, haut, en bas. Voilà, ça ne bouge pas parce que parfois il y a des lentilles qui se barrent à gauche quand vous regardez à droite et vice-versa. Et ça, c'est très très gênant. Mais cela, franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc franchement, je vous les conseille déjà maintenant. La première paire m'a convaincue à 1000%. Franchement, je suis trop contente de les avoir reçues et testées. C'est un coup de cœur total. Donc voilà la couleur, comment elle est. Vous regardez comme ça vous voyez très bien la couleur. J'aime beaucoup. Moi, j'ai les yeux bruns. Donc là, ça m'a donné une couleur un peu vert, gris comme ça.
Ça a bien caché, oui, ça a bien caché le brun de mes yeux, je trouve. Voilà. Je suis épatée de ces lentilles. Vraiment, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. On va y aller essayer les deuxièmes maintenant. À tout de suite. Alors les filles, même quand vous les retirez, il faut remettre du produit, voilà, bien comme il faut, et vous faites des petits mouvements comme ça, pas à l'intérieur de la lentille en fait. Vous prenez le côté et vous faites des petits comme ça mouvements. C'est ce que je fais tout le temps, histoire de les nettoyer en fait, hein. Voilà, je fais comme ça. Voilà, mais léger, hein, léger, il faut pas pousser, hein. Voilà, c'est ce que je fais et puis je la remets. Donc, dans l'étui, je remets bien du produit jusqu'à ce qu'elle soit bien couverte. Je ferme et voilà. Maintenant, on va tester la gamme Sensuality, les Emeralds. Voilà. Celle-ci, elle est vert néon comme ça. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Vert flash. On va voir ce que ça donne sur mes yeux bruns. Oh my god! Celle-là, elle est vert flash, on va dire. Elles sont tout aussi confortables que l'autre, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va aller voir dans la lumière plus forte. Et voilà les filles, ce que ça donne les Emeralds de la gamme Sensuality. Elles sont jolies, mais j'aime moins la couleur, j'avoue. Parce que ça fait... je sais pas, je trouve que ça ne me va pas, la couleur, tout simplement. Niveau confort, elle est confortable comme l'autre, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment flashée de ça d'ailleurs. Voilà, donc je vous montre comme ça un peu plus loin. Voilà ce que ça donne. Et je vais me rapprocher pour vous montrer. Et voilà la couleur, ce que ça donne. Vous voyez bien que c'est un vert assez flash comme ça. Je sais pas. C'est pas un vert que je porterai en fait. Ça irait bien plus pour les rousses peut-être, pour les personnes avec des cheveux roux ou quoi. Il faut voir aussi sur des yeux plus clairs qu'est-ce que ça donne. Mais là, franchement, sur moi. Oh my god. Donc voilà. Je vous les montre de tout près. En tout cas, ça cache bien le brun de mes yeux, ça c'est sûr. Voilà. Voilà les filles, maintenant on va passer au test de la troisième et dernière paire, donc j'ai hâte aussi de voir. Maintenant, les filles, on va tester la gamme Sensuality encore une fois. Amber, en fait, la gamme Sensuality, il n'y a pas de contour. Voilà. Les Amber, c'est une couleur, je pense, un peu miel comme ça que j'ai choisi. Donc, on va voir ça tout de suite. Elle se présente comme ceci. Donc, on vous voyez bien, c'est un peu une couleur miel comme ça. Et voilà ce que ça donne, les filles. J'aime bien cette couleur, j'aime bien. Avec la couleur de mes cheveux et tout, c'est top. Donc, à tout de suite, je vais vous montrer ça après. Donc voilà les filles ce que ça donne, cette couleur magnifique. J'adore un peu miel comme ça, doré. Ça va très bien avec la couleur de mes cheveux, comme vous voyez bien. Donc voilà ce que ça donne donc un peu plus loin. Maintenant je vais me rapprocher pour vous montrer de tout près ce que ça donne. Donc voilà les filles ce que ça donne de tout près. Comme vous voyez bien, ça a bien caché quand même aussi mes yeux foncés. Ça donne une petite couleur un peu miel, voilà. Je vous montre un peu comme ceci. J'ai les yeux qui commencent à tomber, je commence à être fatiguée. Il est, les filles, 23 h. Voilà, elles sont hyper confortables, il n'y a rien à dire. Voilà. Pourtant, on est tard hein, et mes yeux sont pas rouges à cause des lentilles, rien du tout quoi.
J'aime bien cette couleur. Voilà, ça change un petit peu. Ça fait longtemps que je voulais essayer une couleur un peu miel comme ça. Très jolie. Voilà, c'est sans contour. Et voilà les filles, je vous ai montré les trois paires de lentilles portées. Je vais vous dire ce que j'en pense de ces lentilles. Franchement, niveau confort, c'est 10 sur 10. Niveau camouflage de couleur de mes yeux foncés, franchement, c'est top aussi. Il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai une petite préférence pour les premières avec le contour, ce bleu, ce vert gris là, il était magnifique. Les deuxièmes, ça a bien camouflé, mais c'était un vert flash comme ça. Donc j'aurais pas dû choisir cette couleur, mais bon, tant pis, j'ai voulu tester. Et celle-ci, j'aime beaucoup aussi. C'est un côté naturel des yeux miel comme ça. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien avec mes cheveux. Donc franchement, c'est une très très belle découverte. La marque Obsession Paris. Merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé pour tester. Je suis ravie. Franchement, vous avez fait du bon boulot. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Vous allez voir beaucoup de teintes, beaucoup de choix, beaucoup de tons différents. Avec correction ou pas. Donc franchement, ça vaut le coup d'aller voir un petit peu. Et voilà les filles, j'ai plus rien à vous dire à part que je suis ravie de cette marque. Je suis trop contente qu'une marque de lentilles m'a contactée enfin. Parce que comme vous le savez, les lentilles, c'est la life pour moi. C'est la life. Donc voilà, je les porte tous les jours pour aller travailler. Voilà, du matin jusqu'au soir. Donc voilà, j'espère vraiment les filles que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissez cette marque ou pas, si vous les avez déjà testées ou pas. Dites-moi laquelle vous avez préférée entre les trois. Et voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ah oui, j'ai oublié un truc hyper important les filles. J'ai un code promo pour vous de 25% les filles avec le code ELA25. Donc je le mettrai en grand ici et je le mettrai en barre d'infos aussi. Et je vous mettrai donc aussi le lien du site comme ça et les liens des lentilles que j'ai pris aussi si je retrouve bien sûr. Mais en tout cas, vous avez 25% de réduction. Franchement, je vous recommande, mais honnêtement, d'aller voir et de tester si vous voulez tester des lentilles de contact. Elles sont hyper confortables, elles bougent ni à gauche ni à droite ni rien du tout. C'est ça qui est très très important dans des lentilles de contact, c'est que ça ne doit pas bouger et qu'elles soient confortables. Donc, et là, 25% sur votre commande. Donc, je ne sais pas si c'est pour tout le temps. Oui, c'est pour tout le temps. Donc, même si vous allez regarder cette vidéo après 6 mois ou 1 an, vous allez toujours avoir ces 25% de réduction lors de votre commande. Et je trouve ça vraiment génial. Merci à la marque. Donc voilà les filles, je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!